Ah, wat een uitzicht, man. Is dat niet prachtig? Ik ben in de Franse Alpen, meer bepaald Savoie-Mont Blanc. Voor mij, de Franse Alpen, dat betekent in de winter snowboarden, skiën uiteraard. In de zomer betekent het wakeboarden, extreme sports, downhill mountainbiken, oftewel paddleboarden op een meer of zo. Maar ze hebben hier nog een geheime schat en dat zijn de wijngaarden van de Alpen. En daarom hebben ze mij uitgenodigd om La Route des Vignerons Alpins te komen ontdekken. En vreemd genoeg, ik was direct akkoord. Voor ik ga wijn proeven, wil ik eerst toch nog een beetje water bij de wijn doen misschien. Laat ons de regio even leren kennen. Ik begin mijn zoektocht in het charmante stadje Aix-les-Bains, wat ook wel Aix-Riviera wordt genoemd. Wat me meteen opvalt, is dat ze hier water hebben. Veel water. En dat water legt nogal een weg af. Combien d'années? 10 ans. 10 ans. Ouais. Dus hij heeft mij net verteld dat een druppel water die uit de rivier in dit meer belandt, dat die 10 jaar in dit meer blijft dobberen. C'est qui fait les mesures alors pour savoir si cette goutte elle part quelque part d'autre? C'est comment qu'on a décidé? Ouais, les Français sont des drôles personnes quand même. Bon, we beginnen onze trip al meteen op Le Lac du Bourget. Dat is het grootste en enige echte wilde meer hier in Frankrijk. On m'a dit que c'est le dernier lac sauvage de France. Il s'agit de quoi alors? Le dernier, alors c'est le plus grand lac naturel de France. Le plus grand lac naturel de France, hein, qui est alimenté par deux rivières principales, la Lesse et le Cirrose. Ouais. Pas confondre avec la Cirrose, voilà. Et pour le coup, une goutte d'eau qui va venir dans le lac, elle va rester à peu près 10 ans et ensuite elle va s'enfiler dans le canal de Savière pour rejoindre le Rhône. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce qu'on va suivre une voie. C'est quoi, une voie verte ou... Et presque, presque, presque. C'est exactement ce qu'on appelle le chemin lacustre. On fait le tour du lac du Bourget, dames en heren. Jawel, we doen de tour van het meer van Bourget, maar tegelijkertijd ook eigenlijk niet. Parce que franchement, moi je pensais qu'on était concentré au bord du lac. Et oui. Mais là, on se retrouve au milieu des vignobles. C'est magnifique, hein. Raconte-moi comment ça se fait, ça. Bah, c'est la Savoie, écoute, il y a plein de surprises. Donc, exactement. On a passé le tunnel et puis là, on a un paysage magnifique. Et on a du bon vin en plus. Raconte-moi un peu, Benoît, c'est quoi exactement qui t'a attiré ici à Aix-les-Bains? Pourquoi est-ce que t'as voulu t'installer ici? Alors ben moi, je suis moniteur VTT, accompagnateur en montagne, donc c'est sûr que là, j'ai un terrain de jeu qui est fabuleux, quoi. Mm-hmm. Là, en fait, c'est une partie de mon bureau que tu vois. Ah. Tu peux courir, tu peux faire du vélo, tu peux te baigner au bord du lac, faire des sports mécaniques, du quad, faire du bateau à moteur avec wakeboard. Il y a du tout, quoi. Ah ouais, non, même mais... une belle randonnée avec un pote en vélo. Ah, c'est ça. Aan wijngaarden absoluut geen gebrek hier. Maar noem de wijnboeren niet zomaar boertjes. De wijnmakers worden hier helden genoemd. Tijd om een van die helden te ontmoeten. Benoît stelt me voor aan Simon Barlet. C'est vous Simon? Oui, c'est oui. Bonjour. C'est bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc on m'avait dit que c'était un endroit extraordinaire. Bah ça se voit, hein. On est où là? Alors on est sur Jonjeux, donc un petit village de Savoie. Voilà, un village qui est réputé pour ses vins et pour son paysage. Je vous laisse admirer entre le Rhône, les vignes et les montagnes. Donc, c'est le Rhône qu'on voit là-bas. Voilà, c'est le Rhône historique, donc le Rhône sauvage. On m'a dit qu'il y a une immense diversité en cépages qu'on cultive ici, sur un endroit qui est assez petit. Il y a 24 cépages, c'est exactement ça? Oui, il y en a même 25 sur l'appellation Vin de Savoie. Voilà, 25 cépages sont autorisés sur une toute petite appellation. Voilà, ça fait plein de petites productions et de vins à découvrir, dont le cépage Altesse qu'on plante ici sur Jonjeux, qui fait la renommée du village. Waouh, on va goûter alors? Ouais, il faut goûter. Allez. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est l'Altesse, donc appellation Roussette de Savoie. C'est une appellation qu'on retrouve sur les deux départements de la Savoie, où uniquement le cépage Altesse est autorisé. Je commence par celui-là, et après j'irai sur le Maretel, qui est le cru qu'on a ici sur Jonjeux, où nous sommes actuellement. Wat ik altijd doe om zo wijnboeren een beetje van hun melk te brengen, is eerst ruiken, eens kijken naar de kleur. Heel belangrijk, hè, les couleurs, c'est très important. Oui. Et surtout, le bruit.
On entend le terroir, on entend le chant. Le chant de la cave. Ah, goed. Eindelijk de wijnboer met humor. Fantastisch. Allez, on y va. J'adore ça. Hein? C'est pas la chêne, c'est pas le chardot, c'est autre chose. C'est assez d'acidité. Exactement. L'acidité, voilà, marque assez les vins de Savoie. Et sur l'Altesse, notamment, on a une certaine finesse, une certaine rondeur, une complexité, voilà, qui est propre à ce cépage. Et ça donne un vin qui est très équilibré, mais toujours sur la fraîcheur. Et santé. Santé. Ik val hier van de ene verrassing in de andere. Want geef toe, als jij aan de Alpen denkt, denk je dan aan deze landschappen? Het is wel tof, hè, joh. Ze hadden me dat gezegd, Venetië van de Savoie. Pas op, wij in Vlaanderen, wij hebben ook het Venetië van het noorden, hè. Dus wij moeten niet onderdoen. Maar nee, het heeft wel iets. Daar waar je denkt dat de Alpen altijd ruw en rough zijn, dit is zo wel een softere versie. Ashana. Bonjour, mesdames. Bonjour, petit chien. Onze fietstocht heeft ondertussen geleid naar het dorpje Chana. Een van de mooiste dorpen van Frankrijk. Tel. Wow. Ça, c'est cool. Et la roue, elle actionne le moulin à l'intérieur, en fait. La ça, c'est à l'ancienne, on dirait. Ouais. In Chana is er één plek die je absoluut moet bezoeken. Deze molen. Met een molenaar die wel een heel apart gevoel voor humor heeft. Et je travaille avec ma femme. Et non, puis mais c'est vraiment tout ce que vous faites, c'est ton boulot aujourd'hui. Ah mais c'est mon boulot, je m'amuse pas. Ah d'accord, c'est pas un musée vivant. Ah non. Ça remporte des sous quoi. Ça paye les noix. Donc vous mangez que des noix. Ah, à peu près. Ça c'est un petit Jésus en culotte de velours. Ah, ça c'est doux ça. Ouais. Vraiment ça c'est là waouh. Là des so zacht. On dirait le nougat. Oui, un petit c'est... peu, ouais, mais c'est oui. Sucré, ah, mais même. C'est bon. Bien. Mais c'est un boulot qui n'est jamais terminé. C'est on continue à chercher. Ah, mais bien sûr. Mais dans la vie, est-ce qu'on est à... C'est pareil, on n'a jamais terminé, on découvre tout le temps. Le jour où vous savez tout, il y a deux cas de figure. Ou vous devenez un imbécile et c'est dommage, ou vous êtes mort. J'aime bien rester entre les deux. C'est bien, ok. Bon, je prends une bouteille, c'est bon. Les gars, c'est du coup. C'est grand mec. Olieproeven, ja, dat is best oké. Maar laat ons niet vergeten dat ik hier voor de wijn ben. De regio rond Aix-les-Bains is een lappendeken van wijngaarden. Rond Le Lac du Bourget vind je zomaar even 570 hectare met wijnstokken. En ik heb het even voor u uitgeteld, dat zijn in totaal 841 voetbalvelden. Ongeveer dan toch. Yes, ik heb hier in de buurt van Aix-les-Bains nog een klein specialeke ontdekt. Ze hebben hier namelijk geen wijnboeren, maar wijnboerinnen. Maar goed, in het Frans klinkt die naam veel beter. Les viticultrices. En als ik me niet vergis, staan ze daar nu. Ah, mais vous me faites travailler, hein, les filles. On a besoin d'aide. Alors, à l'abri. Mathilde et Justine Jacqueline. Oui. Hein, vous êtes des viticultrices. Exactement. Avant, vous faisiez quoi? Vous avez fait quoi alors? Ben, on a beaucoup voyagé, beaucoup dans le marketing, moi notamment au Canada. Oui. J'ai aussi travaillé dans le commerce et dans l'événementiel et j'ai beaucoup voyagé, notamment en Argentine. Oui. Et puis, on est revenu aux sources en fait. On a eu un déclic. Raconte. On a repris des études dans le vin. Donc, pour Mathilde. Tu étais ? Moi j'étais en Bourgogne, c'est vrai que je suis rentrée du Canada et voilà c'était les vendanges et je me suis dit, j'ai eu un déclic de vie en fait, j'avais envie de créer mes propres vins et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance ici avec les 6 hectares de vignes et voilà c'est une nouvelle aventure et ouais j'ai repris des études en Bourgogne et Justine a fait l'université du vin. Franchement les filles, j'aimerais vous
invité à, pour se mettre à l'abri parce que j'entends la tonnerre, il commence à pleuvoir. Allez, on y va. Allez, c'est une bonne idée. Allez. Une petite dégustation. Une petite dégustation, c'est sympa. Heeft het niet nog een hele namiddag werken hier. Et là. Alors, enfin le temps de goûter. Exactement. On va goûter quoi exactement? C'est bien frais, la perle du lac. La perle du lac. Blanc de blanc, 100% chardonnay. Méthode champenoise. Méthode champenoise. C'est des arômes de fleurs blanches. Dans le nez, il était très sucré. Mais dans la bouche, il est très non, sec. Non, pas du tout. Voilà. Ouais. C'est vraiment le microclimat d'ici, avec l'influence et la douceur du lac que tu peux avoir. Avec les montagnes justement qui réchauffent l'atmosphère. Oui. Et c'est fait qu'on a des vins très fruités mais très minérales à la fois. Le fait que vous êtes viticultrice et non pas des viticulteurs, ça n'a rien à voir avec le vin. À la fin, c'est le produit qui compte. Exactement. Là, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais il faut avouer que quand vous êtes en compagnie et que vous pouvez raconter que vous êtes viticultrice, ça rend les gens curieux quand même. Hein, c'est un peu oui, spécifique. Oui. C'est surprenant, surtout en Savoie, il y a très peu de femmes qui font du vin et encore plus en bio. Voilà, parce qu'on a fait le choix d'être en bio et en biodynamie. Et c'est vrai que voilà, bah oui, la vigne c'est quelque chose où c'est très sensible, il faut être aussi très délicat, que ce soit en vinification ou dans la culture de la vigne. Donc je pense qu'on a une vraie carte à jouer avec ma sœur. Et puis on est épaulé aussi par notre papa, donc on est vraiment un trio infernal, si tu veux, des vins bio de Savoie. Ah, un trio infernal. Et santé à la vie. Allez. À la vie. Voilà. Fier de Savoie, vous avez raison. C'est trop chouette ici. On va verder op la route des vignobles alpins. Aix-les-Bains en la Riviera die hebben we ondertussen achter ons gelaten. En nu trekken we naar het hart van Savoie-Mont-Blanc. Met haar hoofdstad Chambéry. En dat is goed, want ik kan nog wel wat wijn proeven eigenlijk. Ik ben nog niet verzadigd. En ik heb nog wat plaats in de koffer. Ook wel. Veel tijd om Chambéry te ontdekken is er niet. Het is een charmante stad met veel geschiedenis. Ik trek naar het dorp Chignan, een vroegere vesting waarvan de torens nog de stille getuigen zijn. Daar ontmoet ik wijnmaker André Quenard. Comment tu reconnais alors ça, cépage? C'est un peu la découpe. Les grandes découpes comme ça, la couleur. La couleur? La couleur, ouais, c'est pas le même vert. Le Pinot était beaucoup plus vert, le Chardonnay beaucoup plus vert. N'importe quoi! Tu reconnais le vert? Mais c'est, pas... ouais, c'est la même chose, c'est non, vert! Non, c'est non. Vert, c'est tout! Tiens, c'est pas le même. Ok, donc on a quoi là? C'est un vert! Ouais, mais, pas mais comme cépage, je veux dire! Un jacquère! 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 Cépage pas... local, c'est 50% des vins de Savoie! C'est pas très connu ça! Ja, voor mij is dit absoluut ongezien. In de regio Savoie-Mont-Blanc vind je in totaal 23 à 24 druivensoorten. En toch stelt de wijnproductie qua volume weinig voor. Nu, pas op, weinig volume, maar wel veel kwaliteit. En vooral veel verscheidenheid. Hebt u het goed begrepen? Dus in totaal heeft hij er 8 verschillende druivensoorten, waarvan dat hij nog eens 12 verschillende wijnen maakt met verschillende mixen. Eigenlijk is dat een unieke vorm van wijn maken. En hij vertelt het precies alsof dat hem er maar gewoon, ja, dat dat maar gewoontjes is. Ik vind dat redelijk speciaal. Ik heb juist gevraagd of we gingen proeven, maar hij blijft gewoon staan. Ik had nog eens moeten vragen. Alors, on va goûter, alors. J'ai oublié un cépage. Non, qui? On commençait par quoi, alors? Alors, un chignan. Une jacquère. Une jacquère. Allez. Ja, ik denk dat onze vriend grote plannen heeft vandaag. Allee. Et là, on est sur un 2015. Hey, mais sérieux, tu vas cracher tout? Ja,
30 graden op een berg hier in Chignan. En ik ben toe aan mijn vijfde druivensoort. Alors, on continue. Tournez les chefs, c'est moi qui gère. Hop, hop, hop. Je moet misschien toch eens beginnen nadenken op welke manier dat we verder gaan wijnproeven, want op deze manier ga ik je dat niet volhouden. Het vergiste druivensap stijgt me een beetje naar het hoofd. Niet slecht, denk ik dus, om wat actie te ondernemen. Ik zoek verkoeling bij de watervallen van Fred Rive en bezoek het spectaculaire Château de Miolon. De trip brengt me naar ongekende hoogtes. En toch heb ik nog een activiteit gevonden waarvan je gegarandeerd met het hoofd in de wolken zit. Bah, on y va, quoi. Bah, oui. Comment tu pèses, dis-moi. Tu veux vraiment savoir? Bah, j'aimerais bien. 90. Ouh. Ok. Ça va pas? Si. Allez, c'est bon. Allez, cours, 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 cours. Beste vrienden, dit is het leven! Ze hebben mij hier zo'n handig gidsje gegeven, dat is Le Carnet de Rencontre. Daarin staan 70 verschillende wijnboeren hier uit de regio en ik heb straks een afspraak met Dacquin Adrien. Nu, ik heb hier ondertussen al zoveel gekregen, wijn mogen proeven en ik dacht het is tijd om eens iets terug te doen en waarom niet een klein beetje food pairing. Wauw, hoeveel diversiteit, mossels, crevetten, kreeften. Adrien is bio-wijnmaker, wat eigenlijk betekent dat hij werkt zonder herbiciden of pesticiden. Nu pas op, hij heeft duidelijk nog wat geheimen die hij maar wat graag met me wil delen. Alors là, Adrien, j'ai jamais vu ça. Hein. Franchement, ce sont tes œufs. Alors, ce sont des œufs, ce sont des cuves en forme d'œuf. Des cuves en forme d'œuf, mais en matière. C'est quoi ça exactement? C'est quoi? On peut toucher en tout cas. On peut toucher, oui. C'est une matière, c'est du plastique, oui. Et qui laisse passer les échanges avec l'oxygène. On revient à des contenants plutôt du passé, quoi, puisque avant ils utilisaient des amphores ou qui avaient ces formes-là. Ou c'est la forme aussi également du tonneau, des barriques arrondies. Voilà. D'accord, d'accord. Sauf que c'est pas la même matière. Alors là. J'étais curieux. C'est étonnant. Mais maintenant, je vais vraiment goûter. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je coupe une courgette trompette. Une courgette trompette? Ouais, c'est ça qu'on m'a dit. Alors, c'est un gars que j'ai rencontré au marché à Chambéry qui m'a dit que ça va très bien pour l'apéro avec un bon vin blanc. Jacquard, par exemple. Par exemple. Okay. Avec un peu de sel. Alors, pour accompagner la courgette, eh ben, je sais pas, on va commencer par un blanc, une roussette. D'accord. Cépage typiquement savoyard, voilà, une roussette de Savoie. Les vignes, c'est celles-là qui sont juste là dans la pente. Mm-hmm. Une roussette. Donc apparemment. Alors, ah, mais elle est trouble. Elle est trouble, elle est sans sulfite. Mais là, je l'ai mis en bouteille juste pour l'occasion. Oui. Je l'ai pris à la cuve, c'est pas en bouteille. Hein. Ah, d'accord. Waouh! Dat proefde nog echt zo. Dat fruit helemaal in. Dat is grappig. Et soyons honnêtes, avec une vue comme ça,
on se sent comme Dieu en France. Tu connais cette expression? Non, je connais pas ça. Nous, on l'a dit en néerlandais. C'est... God in Frankrijk. Vas-y, essaye. God in... in Frankrijk. In Frankrijk. Ouais, presque. Après la troisième verre, tu vas y arriver. Onze weg langs la route des vignobles. Alpin. Het was een prachtig parcours dat we hebben afgelegd met wijnen die echt wel gigantisch variërend zijn met heel veel verschillende druivensoorten. En we zijn aan het einde toegekomen. Het was een prachtige route en ik raad u aan, kom het vooral zelf ontdekken. Want dit, beste vrienden, zijn wijnen die je bij ons in de supermarkt niet zo snel zal tegenkomen. Voilà. Dat was het voor ons. Merci Adrien. Dankjewel. Merci. En dit glas is leeg. En deze is ook helemaal leeg. Ik heb geproefd van de activiteiten en de wijnen in de Savoie. En ik kan u zeggen, we zijn ondertussen helemaal rond. Maar blijf je nu zelf toch nog een klein beetje op je honger zitten? Wel, dan zeg ik, kom naar hier. Want hier vertellen ze jou alles. Van hoe de verschillende ondergronden een andere touch geeft aan de wijn in de fles. Tot hoe ze destijds in de geschiedenis de persing uitvoerden met deze gigantische houten machines. Je vindt het allemaal in le Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, hier in het stadje Montmélian. Alsjeblieft.